vous savez que le 7 novembre prochain, d'accord, donc c'est très bientôt, nous allons fêter le centenaire d'un très très grand écrivain français. Haroun, ne le dit pas parce que je vois que tu veux trop m'en détendre. Est-ce que vous savez qui? Haroun, c'est qui? Je sais pas, j'ai pas réussi à lire. Albert Camus, pourquoi je vous en parle? Ah, Camus, oui. Ah, écrivain et philosophe. Parce que t'as pas précisé, aussi. C'est pour ça que ça nous a bloqué. Écrivain, philosophe, essayiste, en effet. D'accord. Je vais en parler plus précisément. Il faut la prendre soin, on va pas la remplacer par un robot tout de suite. Hein. Alors, non pas le 7, le 7 sera le centenaire. Ce sera son centenaire, donc le centenaire de sa naissance, mais le 5 novembre à 20h30, dans la salle Agnès Varda de Juvisy, il y aura un ciné-débat. Ciné-débat, c'est-à-dire qu'il y aura un film d'abord qui sera projeté, qui s'appelle Le Premier Homme, de Gianni Amelio, et ensuite un débat donc animé par Agnès Spickel, professeur de littérature à l'université de Valenciennes et présidente de la Société des études camusiennes. Voilà. Pourquoi je parle de ce film et d'Albert Camus? Simplement pour déjà rendre hommage à ce grand monsieur qui est Albert Camus, donc apparemment Mathilde connaît bien. Très bien. Alors je vais essayer de vous résumer donc qui est ce monsieur. Donc c'est un écrivain, journaliste, philosophe. Et qui a toujours eu, c'est une de ses particularités, pardon, un esprit très résistant et très avant-gardiste. Très résistant dans le sens où il s'est très vite battu contre le franquisme, contre le nazisme, il a été résistant pendant la guerre. Il s'est ensuite beaucoup battu donc contre, enfin il s'est beaucoup engagé contre la guerre d'Algérie. Et à chaque fois donc cet engagement, malgré tous les problèmes que ça lui a causé, eh ben il les a gardés. Et il a été vraiment donc un résistant de la première heure dans toutes ces catégories-là. Comme je disais donc, écrivain, journaliste, philosophe, il avait une énergie extraordinaire. Ah bah pour faire tout ça, moi lui tourner 5 fois les légumes par jour. Voilà, il a 18 ouvrages donc tout confondu, hein, si on prend roman, essai, etc. Et donc Le Premier Homme, le film qui sera diffusé ce soir-là, voilà, raconte donc l'histoire, enfin l'enfance d'Albert Camus. Il est tiré d'une autobiographie que Albert Camus n'a malheureusement pas eu le temps de terminer, puisqu'il est mort dans un accident de voiture en 1960. Et justement, donc, cette autobiographie a été retrouvée sur les lieux de l'accident. Donc, il avait écrit que 140 pages, mais c'est déjà beaucoup. Il était plutôt sur la fin. Ce livre-là a été récupéré donc à l'époque par sa veuve. Mais ne sera publié qu'en 1994, puisque vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les cahiers de Camus, donc c'est en fait tout ce qui était resté en réserve et que Camus n'avait pas publié, qui a été publié donc à titre posthume hein, tout au long de pendant plusieurs décennies, et tout s'est arrêté en 94. Sa fille jusqu'à maintenant ne voulait pas que l'on fasse une adaptation cinématographique de ce livre. Elle a changé d'avis en 2006 sous l'insistance donc du producteur. Elle a choisi elle-même le réalisateur, elle a donné ses conditions, et en fait donc ils ont quand même réussi à faire ce film donc qui raconte la vie d'Albert Camus d'après son autobiographie. Alors évidemment hein, il transpose un personnage qui n'est pas lui donc dans l'Alger de son enfance, mais voilà, donc c'est je pense un film que j'ai pas vu, je vais vous dire très honnêtement, mais qui va être très intéressant, et surtout parler de Camus, c'est ça qui est très intéressant. Et surtout la conférence après, l'échange qu'il y a entre Ouais. Et redis le titre du film pour Mario. Alors le titre du film c'est Le Premier Homme, ce sera diffusé le mardi 5 novembre à 20h30 donc au cinéma Agnès Varda de Juvisy, et en plus le tarif hein, pour le cinéma et la conférence c'est seulement 4€. Latitude 91, tous les lundis 18h-20h.